Gilbert Collard, RN, ex-FN, parenthèse fermant objet d'une enquête pour viol, dément les accusations. Le député Rassemblement National, RN, ex-FN, parenthèse fermant du Gard, Gilbert Collard, est l'objet d'une enquête pour viol à la suite d'une plainte déposée le 12 juin à Fréjus, Var, a-t-on appris jeudi de sources judiciaires et proches de l'enquête, des accusations fermement démenties par l'avocat. Le parquet de Marseille a confirmé jeudi à l'AFP avoir reçu la veille une plainte pour des faits de viol à l'encontre de M. Collard et annoncé l'ouverture d'une enquête. J'ai saisi le directeur de la police judiciaire pour enquête, a déclaré le procureur de la République, Xavier Tarabeu, je n'ai jamais violé personne de ma vie. Je ne suis au courant de rien. J'apprends cela par BFM TV qui a révélé l'information, avait auparavant déclaré à l'AFP Gilbert Collard, 70 ans, habitué des prétoires et connu pour sa verve et ses coups d'éclat médiatique, je n'ai jamais eu un geste déplacé à l'égard de quiconque, a-t-il ajouté, selon la chaîne, la plaignante, une cliente de M. Collard, affirme avoir subi de viols en 2006 et 2007 au cabinet de l'avocat, avocat dans une affaire de viol, j'apprends par BFM qu'une personne dont j'ignore le nom vient de porter plainte contre moi pour un viol que j'aurais commis en 2006 dans mon bureau où travaillaient 10 avocats, 6 secrétaires et mon épouse, j'en reste, si j'ose dire, sur le cul. Cela manquait à ma notoriété, a-t-il réagi sur Twitter. Gilbert Collard est depuis 40 ans à la tête d'un cabinet d'avocats basé à Marseille, qui compte actuellement 6 avocats, dont lui-même, a-t-il précisé à l'AFP, l'avocat a lui-même défendu deux femmes qui accusent Georges Tron, ex-secrétaire d'État à la fonction publique et maire en exercice de Draveil, Essonne, de viol et agression sexuelle. Il avait assuré leur défense au début de l'affaire, qui avait éclaté en mai 2011, 10 jours après la retentissante arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn, accusé de viol aux États-Unis. Il a aussi défendu dans les années 80 la mère de Marine Le Pen, Pierrette Le Pen, lorsqu'elle a divorcé du cofondateur du FN Jean-Marie. Pierrette avait alors étalé avec fracas ses charmes sur 8 pages dans Playboy. Née le 3 février 1948 à Marseille et élevée chez les pères maristes dans le Var, Gilbert Collard a dirigé le comité de soutien de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017. Mais c'est aussi un ami de l'ex-député du Vaucluse Marion Maréchal, avec qui il était entré à l'Assemblée en 2012, au Parlement, on s'y emmerde, disait en décembre le député, qui a milité au PS dans sa jeunesse et n'a pris sa carte au FN, devenu RN, qu'en septembre. Père de deux filles, marié à Anne-Marie Collard, il a défendu notamment l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien ministre Charles Pasqua, le cycliste Richard Virenque, le général Paul Ossarès. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.